Et oui, on vous a pranké, c'était une chaîne de podcast en fait à l'époque. Yo l'Astro Family, ça va ou quoi? Moi ça va trop bien et tu sais pourquoi? J'y suis été à Dubaï, hein? Bon, comme il t'a dit le Canadien, je suis parti à Dubaï parce que j'en avais marre de perdre à tous les S3 Challenge. Et donc je me suis dit au moins à Dubaï je suis solo. Excellent! Et y a pas de dérangement comme Moss, comme Logan, comme Traf. I'm so pretty. Et comme je suis un mec trop cool, et je t'ai fait un mini clip qui résume un peu mon voyage. Regarde. Alors, tu s'amuses bien? Non, en fait on dit, est-ce que tu t'es bien amusé? Ouais, s'amuse. Dubaï, c'est l'un des Émirats où il y a le plus d'oseille. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. C'est aussi le lieu où tu peux te faire le plus d'oseille. Voilà pourquoi je suis parti là-bas. Allez, salut, bonne soirée. Je rigole. Non, plus sérieusement, Dubaï, c'est l'endroit où tu peux retrouver les plus grands centres commerciaux du monde, les plus grands aéroports, les plus belles voitures, et bien sûr, les plus grands tours du monde comme le Burj Khalifa. Juste ici. En gros, c'est un pays sans limite. Ouais. En fait, les mecs ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit on va créer un pays, rien que ça chill, rien que ça fait de l'oseille toute patate et ça va être le fuego. Ouais. Et au fait, regarde où je suis parti juste avant Dubaï. Enfin bref, c'était pas le même délire, mais c'était aussi lourd. Et dès que je suis arrivé à Dubaï, on m'a invité à manger dans l'un des fameux restaurants de Monsieur Nusret ou Nusrat. Socrate. Donc tu vois le mec. Et j'ai eu même l'occasion de manger avec mon gars Abi Abidal. Et en plus, on a même tapé un foot ensemble. Oh là là, tu sais même pas les bails. J'ai tapé un foot avec Abidal, wesh. Eric Abidal. Arrête. Dis-moi pas que tu connais pas, wesh. Trust issues she got. Only sipping Ciroc. Spent more than she made. Now she doesn't like what she bought. Stressing over the luxurious things. But all the diamonds in the world doesn't make up a queen. Call me 19 times. Hey Abby, si tu vois cette vidéo. Après on a fait plein d'autres activités, je suis parti au Wad Wadi Park, c'est un grand parc de toboggan à Dubaï, c'est vraiment incroyable, les toboggans ils sont ouf. Bloqué pendant... Non ça va pas être possible en fait. Voilà, dédicace à vous les gars, parce que voilà, moi je suis bien. Cet homme se sent bien. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, je suis rentré dans une machine cryo air où il fait moins 100 degrés genre à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'une machine cryo air, Jamy? Une machine cryo air, c'est une machine en fait où il fait moins 100 degrés à l'intérieur. Ça te permet de nettoyer ton corps, d'enlever toutes les courbatures et ensuite de dormir comme un gosse. Non sérieux, j'ai passé des vacances de fou, j'ai fait du quad, j'ai fait un safari. Non franchement, c'était incroyable. Non franchement, Dubaï c'est un truc de fou. Quand il s'agit de bouffe, quand il s'agit de vue, quand il s'agit de tout ce que tu veux, mais surtout de bouffe, hein. Et franchement la bouffe, waouh. Et aussi, devine qui j'ai vu à Dubaï? Anthony Joshua. Yo yo yo, la S3 Family, ça va encore? Regardez, je suis avec qui? Yo, what's up bro? Good. Thank you. J'ai aussi fait un truc incroyable mais vrai. Et j'ai sauté en parachute. Mais pourquoi j'ai fait ça moi? Donc tu montes dans l'avion et commence à avancer tranquillement, tranquille, il avance, après il décolle, il monte. Après au bout d'un moment, il s'arrête. Et quand il s'arrête, la porte elle s'ouvre comme ça. Et là tu vois toute la terre. Tu fais wow. À ce moment là tu dis, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai sauté là? J'ai pas envie de sauter là maintenant là. Et mon gars, et à ce moment là, crois-moi là, tu dois porter tes couronnes là, ok? Quand tu sautes, t'as pas peur. J'ai pas peur. Et je vais pas te mentir poto, quand je me suis approché de la porte, j'ai eu chaud. Et là même si t'as chaud, le mec il saute et tu sautes forcément avec lui vu que t'es attaché. Donc voilà la S3 Family, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux m'accompagner dans mes prochains voyages, tu m'envoies ta demande à cette adresse là et tu m'expliques pourquoi je te prendrai toi et pas quelqu'un d'autre. Donc si cette vidéo t'a plu, tu commentes, tu partages et surtout tu t'abonnes. J'y s'abonne. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié de te présenter quelqu'un. Bonjour. Salut.
Ça va? C'est mais depuis tout à l'heure, j'ai la main comme ça. Ça va et toi? Oui, ça va, oui. Ça va, oui. D'accord, allez. Ça va, c'était comment la vidéo? C'était bien, c'était bien. Merci pour les. Bien écrit. Merci pour l'aidage de la caméra, tout ça. Le quoi? L'aidage. Oui, l'aidage. On dit aider, en fait. Non, c'est aidage. Aidage. Mais c'est l'autre arabe là qui m'a saoulé là avec ces mots là, bizarre. Viens, on va le voir. Ok, viens, on va le voir. Non, c'est là-bas? Ah, c'est là-bas? Ouais. Et aussi mon pote, n'oublie pas de me follow sur tous mes réseaux sociaux. Juste ici. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Et dis-moi en commentaire si ce type de vidéo t'a plu et si je devrais créer ma propre chaîne YouTube. Peace.